Bonjour, ici Bruno Bayet, je suis chargé de mission à Medialis et nous recevons aujourd'hui Antoine Dupont, cofondateur de la solution Oxivia. Alors premièrement, est-ce que vous pouvez nous parler d'Oxivia ? Bien sûr. Donc Oxivia est une jeune entreprise innovante qui développe des objets connectés santé pour aider les personnes âgées et leurs aidants au quotidien. Et aujourd'hui, on a un premier produit qui est un verre connecté qui s'adresse à des structures médicalisées pour aider le personnel à prévenir les déshydratations des personnes âgées. D'accord. Et donc, en quoi consiste ce verre connecté ? Vous avez un exemple ici, donc ça c'est notre premier prototype. Donc ce verre a plusieurs fonctionnalités. La première, c'est qu'il va traquer et automatiser la remontée de données sur l'hydratation des personnes. On va faciliter cette remontée de données-là, puisqu'aujourd'hui dans les structures, on utilise essentiellement du papier et un crayon. Nous, on va fiabiliser cette donnée-là. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on a un système lumineux qui est incorporé dans la base de notre solution, qui va aider le personnel médical au quotidien à mettre en évidence les personnes qui ont besoin le plus d'attention sur la prise d'hydratation. Troisièmement, on va aider le personnel médical à mettre en évidence les troubles du comportement qu'ont les personnes en structure. Il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles psychologiques et psychiatriques, ce qui va générer chez eux un refus de s'hydrater, notamment lorsqu'elles sont seules en chambre. Donc, typiquement, elles vont aller dans leur chambre, dans leur salle de bain, vider le verre, le renverser sous lit, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est une donnée qui est précieuse pour le corps médical, mais qu'ils n'ont pas. Nous, on peut remonter cette donnée-là grâce à notre solution. Et la troisième chose qu'on va faire, c'est qu'on va aider les structures médicalisées à prévenir les risques bactériologiques qui sont dus à une stagnation d'eau ou alors à un changement peu récurrent des verres. En tout cas, pas assez, puisqu'ils sont audités. Et nous, on peut en fait transmettre une image de la structure en disant, voilà, sur vos 100 chambres, il y en a tant qui n'ont pas eu un verre nettoyé ou changé, où l'eau est stagnante, donc il y a peut-être un risque pour vous. On se positionne vraiment sur à la fois du préventif et sur une aide à la décision. C'est ce qu'on veut faire et c'est ce qu'on veut permettre grâce à notre solution. Donc en fait, votre verre s'adresse à la fois à la personne âgée, mais aussi au corps médical. Oui, bien sûr. On pense que l'objet doit être pensé pour les deux. C'est-à-dire que pour intégrer un tel objet dans une structure médicalisée, elle doit réfléchir, si vous voulez, à l'usage de chacune des personnes, donc à la fois à l'interface avec la personne âgée et à la fois avec le corps médical. Puisqu'on se veut vraiment comme une aide au quotidien et il faut vraiment réfléchir à ça dès le départ. Et quel est l'avantage, par exemple, de ce verre dans un EHPAD ? Typiquement, on parlait tout à l'heure du tracking papier sur l'hydratation qui n'était pas forcément fait faute de temps, parce que c'est quand même une donnée clé en structure médicalisée. Nous, on va automatiser cela et donc finalement, on va dégager du temps au corps médical au quotidien, qui pourront après réaffecter sur des tâches qui ont une vraie valeur pour ces personnes-là, notamment sur l'accompagnement au quotidien des personnes. Ça, c'est le premier point. Et on va effectivement, grâce à notre technologie, remonter deux autres données, enfin aider en tout cas grâce à deux autres données qui sont l'analyse comportementale d'une part et deuxièmement sur la prévention de risques bactériologiques. Et plus généralement, on peut dire que on va aussi peut-être accompagner aujourd'hui certaines structures sur une montée en gamme liée notamment à l'intégration d'innovation dans leur structure, innovation à laquelle sont extrêmement sensibles souvent les familles lorsqu'elles souhaitent mettre une personne en institution. Et quelles sont les perspectives d'Oxivia ? Dans quelques années ? Alors nous, au départ, on se focalise vraiment sur les structures médicalisées, vraiment les EHPAD. Et après, on souhaite descendre vraiment les couches de la dépendance pour à terme s'attaquer au marché du maintien à domicile, qui représente un énorme marché, mais qui aujourd'hui n'est pas encore, on pense, assez structuré pour pouvoir être attaqué. Mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le développement d'une solution pour des structures médicalisées. Structure médicalisée au sens large, ça peut être à la fois les maisons de retraite, mais ça peut être aussi des cliniques de soins de suite ou autre. Tout ce qui va finalement, toutes les structures qui vont accueillir des personnes âgées dépendantes avec des pathologies et de gros problèmes de santé. Merci beaucoup. Merci.